d'avoir récupéré cette précieuse antiquité Jedi, ce machin truc bidule. Ah, tu manqueras. C'est un holocron Jedi, un cube mémoire. Je suis trop pressée d'apprendre des choses sur l'histoire des premiers Jedi grâce à lui. Moi aussi. Mais d'abord, il faut qu'on le rapporte là d'où il vient sur Tenu. C'est génial d'avoir avec nous Nash Durango, la meilleure pilote de la bordure extérieure. Ça c'est vrai. Et n'oublions pas RJ-83, le copilote le plus merveilleux. Ça y est, nous arrivons sur Tenu. On rentre à la maison. Tiens, ce ne serait pas mes Jedi préférés avec leur pilote? C'est Tabor et sa bande de pirates. Qu'est-ce que tu nous veux, Tabor? Je veux cet holocron Jedi que vous avez. J'en ai encore jamais vu. Je veux l'ajouter à ma collection d'objets volés. Il appartient aux Jedi. Plus pour longtemps, parce que je vais le prendre. Accrochez-vous, je vais essayer de les semer dans le champ d'astéroïdes. Je sais, RJ, c'est très dangereux. Mais si on travaille en équipe, on va y arriver. Kai, tu t'installes au canon. Liz, il faut que tu surveilles de près les astéroïdes. Et Nubs, garde le holocron, c'est à toi de le protéger. Attention. Ça va secouer. Je suis sûre qu'ils n'ont rien vu venir. Mais où sont-ils passés? On dirait qu'ils sont derrière nous. Pas pour longtemps. Attention. Kai, tu nous ouvres la voie? Et c'est parti. On va voir s'ils vont résister à ça. Ah, on les a semés. C'est normal, je suis la meilleure pilote de la bordure. Je vous conseille de vous accrocher parce que l'atterrissage va être mouvementé. Être fier. Mais on est revenu au temple avec le... Oh non! Où est Nubs? On a assuré. On a ramené le holocron au temple sans problème. C'était chouette, Nash. La force était avec toi. Je n'aurais rien pu faire sans votre aide. Un vrai travail d'équipe, mes amis.